stress de science. Je pense que ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ça me fait chier. Plus 2, plus 3. On a plus 11 de science, on est en plus 11, plus 11 ici. Je pense que c'est le plus intéressant. Oh merde, c'était mon aqueduc. C'était ma belle zone indus ici. Bah. Voilà. Ce sera une centrale à pétrole, hein. Merci Kylian. Merci Kix. Ah merde, c'est Ring 4. J'espère qu'on a fait notre Oreca ici. J'ai encore perdu des ressources de luxe, j'ai l'impression du tabac. Peut-être que c'était Akkad. Souris scientifique, prochain tour. Accepté. On a fait quelques petits détours. On a quand même l'usine qui va faire proc un petit peu de prod en plus sur Rakedet. On aurait pu le faire, on n'avait pas le timing. On a rien à faire, hein. On peut acheter une route. Merci beaucoup, Kylian. Vous jouez contre qui? Bonjour, Fantin. Y a des gens qui disent des dingues, genre Let's CC tour 81, alors que la game est très très serrée entre beaucoup de gens. Petit tour. Petit tour, est-ce qu'on a du chop à mettre? On n'aurait pas vu. Rien du tout. Trois tours et on va être en âge normal. On n'arrive pas à trouver des trucs. On va s'acheter ça. Bon, je dépense mon salpette, moi. Là, je ne peux pas. Bien. Donc je fais pas ça. Encore VAT. On est toujours en 6. On va s'acheter des petits trucs dessus, je pense. Venise, c'est pas mal ça, Venise, mais bon. On va me récupérer à Bruxelles, hein.
Voilà, on s'est arrangé. On s'est arrangé, on s'arrange toujours avec le U. Avec le U. On va avoir le Killua qui va arriver. Est-ce qu'on peut rajouter une Wonder derrière? Il y a beaucoup de campus, universités qui sont là. Ouais, pas de problème. Je vais pas te contester le truc. Les forces militaires sont pas très très élevées. La stack à 66, 636 et 685. Mes deux alliés. Une ville avec beaucoup de mines et une ville où on peut ouais, hein, se poser la roue. Là, ça serait quand même pas mal en vrai. Même. On achète la petite unive. On achète aussi la petite caserne. Armurerie, let's go. Ici, une belle centrale à charbon possible hein, dans pas trop longtemps. Plus dubitatif ici. On va faire les deux banques. Va falloir remettre le Magnus ici, à mon avis. Et donc du coup, on a 8, 9 points à faire. Non merci. Mais je l'avais pas vu celui-là, ça me fait chier. Comment je peux faire du salpêtre encore? Dans un canon. Ah j'ai deux tours putain, j'aurais pas. Il va falloir que j'achète un truc en flat si je veux. Logistique, vas-y. Si je veux un bateau, ça sera en flat. Ah c'est dommage hein. On va juste mettre ça du coup. Nationalisme aussi, à pas longtemps, on l'a pas. Vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Il n'y a pas une merveille en un tour. Colosse, ça serait celle qui aurait le moins de prod à faire, mais bon. Pas. Après, j'ai pas de salpette, j'ai pas de bateau. Voilà à quoi on peut penser. Un ingénieur pour faire un petit truc aussi, un petit tunnel, ça aurait pu être bien. Et une petite route supplémentaire dans Rakedet. 77, 77, Oxford, c'est possible de l'avoir, c'est possible de pas l'avoir. On était premier en termes de tech, sachant qu'on n'avait pas les arbores, on y a été après. On a peut-être deux tours de retard hein, par rapport à l'autre. Allez, la Casa, pas dans la B1. Casa dans la B1, c'est bon pour nous tout ça. 477 du côté de l'autre là. Grand Zimbabwe. Ouais, prochain tour. On a 7 points à faire. Points à faire, vous avez quelqu'un? Vous avez quelque chose? Personne ne veut prendre l'ingénieur. Hein. Je peux payer un bateau là, 6 points. Un bateau, c'est 2 points. Plus de la cité-état, 270. Est-ce que je pourrais déclarer à quelqu'un? À Kibli.
contester ça. Ce serait pas assez, je pense. Je pense que ça serait pas assez. Sais même pas si ils peuvent le prendre ou non. Bah tant pis. Hein. Pas d'âge dehors. La chaîne pour ensemble, ça me paraît tendu les 3 tours. Ouais? Ouais, possible. Pas un ingé là. Il y a juste Isidore qui est passé dans la game actuellement. C'était la Hongrie qu'il a eu. Isidore, c'est une centaine de prod à chaque fois, ouais. Fait chier, la Hongrie, elle était à combien de tech? Elle était à 34 tech, donc 2 tech de retard par rapport à nous. Si on prend en compte le fait que j'ai été chercher un peu plus tard. Université d'Oxford, il pourrait le finir par exemple prochain tour. C'est tout à fait possible. Personne l'a pris ça? Ils font chier. On va repartir sciences militaires. Je vais te faire un petit amphi en fait. 382 de science. 589 du côté de la city. On a tout mis, on a mis les spécialistes, on a mis les univs. On est toujours en mode scaling. Personne n'a pris l'ingé. Ah, on va voir déjà ce prochain tour là, il va y avoir un vrai truc. Ngazar. Est-ce qu'on a ou pas Oxford? Est-ce qu'on a fait de tech à la con pour rien? Peut-être. On enlève charte de peuplement. Et on va rester sur ça pour le reste. Non? J'ai pas la production pour les merveilles. Pour ces merveilles-là. Les routes pour réussir à faire son âge d'or sur le prochain round. Et là, on va commencer tranquillement ici. Quand même le lac duc. Merde. Ah, je te mets la roue, hein. Allez, vas-y. Mettre la mine et puis après je vais me barrer d'ici. De Kemenou je vais aller. Venise ça nous arrangerait bien aussi. On va commencer à se mettre le Magnus. Ah, ce guerrier au final hein, qui nous récupère les cités-états. Alors la religieuse. Ok. 12,51 du côté de la culturelle. 37,37. On voit une casa qui arrive. Du côté de la Hongrie. Voilà la Hongrie. C'est où la Hongrie? C'est là la Hongrie. On voit pas de d'Oxford dans les villes extérieures. C'est pas les très bonnes villes ici. Putain. Ah, je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser. Peut-être que prochain tour, c'est la sanction! 102 de prod, il m'aurait fallu 150, j'ai pas. IWNW, il manque un peu de pop. On va quand même te me faire la centrale à charbon ici, je pense. On est deuxième, on est bien monté, hein.
On a bien monté dans cette gamme. Il nous faudrait Venise, monter encore un peu la prod avec les centrales à charbon et le pétrole. Commence à faire aérodrome au campement et on va pouvoir le faire. C'est bien ça. Bruxelles qui m'a été récup apparemment. Bli, la récupérer. Okay. Au niveau de la diplo, est-ce que quelqu'un l'a fait? Neolaf. M'étonnerait, mais bon. On va voir l'autre qui est toujours là. D'ailleurs, elle est toujours là, il faut que je la pète. Faut que je pète ma manie. Avant le prochain tour. Et faut croiser les doigts pour Oxford. Faut croiser les doigts pour Oxford. Belle remontada. On a Sim, hein. On nous a laissé tranquille. On a eu un land qu'on a vu avec beaucoup de marche. On a essayé de sécuriser des trucs qui nous paraissaient importants. Maintenant, c'est un peu le gamble. Il y a la Hongrie qui a récupéré un ingénieur qui permet de faire des wonders plus rapidement. Nous, on a une wonder vachement importante pour nous là dans 2 tours. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a pas? Il faut que je claque Emily. Ouais, on a plus les alliances. C'est chiant ça. C'est chiant ou c'est pas chiant? C'est chiant ou c'est pas chiant? On se la fait voler ou pas? Attendez, l'ingénieur il va aller sur la case. Il va la chop. Assainissement, bam bam. On a tous les up. On y va. Bah oui, faut refaire les alliances, les gars. Plus 14, il fait plaisir ici aussi. On va faire la dernière mine là. Bon. Titi, c'est bien Titi. Erevan. Nosef. On va retourner voir les ressources de luxe. On a ça, récupérer de la teinture. Non. Teinture, on a. Gypse, on a. On a tout ce qui est en bas. Il manque de l'épice. J'en ai un à prendre. Est-ce que j'ai du marbre? Du marbre? J'ai pas de marbre. Et le marbre, il y en a dans Bruxelles. Donc on va récupérer Bruxelles en fin de tour. Ça va nous permettre en plus de faire la roue plus rapidement. Un complexe de loisirs au beau milieu. Ça serait bien ici, là. En vérité, il y a une belle place de théâtre aussi, tu vas me dire. C'est bon. Ce serait bien hein, en vrai. On va faire ça. On prend ça. Le dernier qui restait qui était pas mal. Ok, 3 tours, 3 tours. Il manque un peu d'activité toujours, dommage. Et Oxford? Et Oxford? C'est bon ou c'est pas bon ça? Pense que c'est pas mal, moi. On a l'alliance niveau 2.
On est l'as de la game. Donc on a Oxford. Personne ne pourra nous la voler. Allez, 3 tours du côté des labos maintenant. On va se faire colon 1. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de génie civil pour remettre des battes. Un peu tout part. C'était pas ouf. Par contre, on peut rechanger les cartes. Faire un truc comme ça pour aller récupérer Venise. Ouais, 3 émissaires, ça va nous mettre bien. 392 GPT, voilà, c'est mieux. James Young 2. Bronze Eureka à faire de l'ère moderne. On va commencer à lock les endroits que j'estime où on a besoin de lock. On a carrément besoin. On réorganise, c'est bon. On est toujours à 100 de chance quand même de la City. Et ça fait un moment. On a 4 techs d'avance. Et maintenant, le problème, c'est la culturelle. Et c'est nous qui défendons. Non. C'est Straight Edge qui défend. Ok. Straight Edge. Il est où le Hongrois? 386, 165. Vous préparez que moi. Et je crois, messieurs, dames, que nous venons de passer... Non, on est à un point du premier. On s'est fait le petit musée archéologique pour pouvoir booster plus tard le zoo. Important de l'avoir aussi. Ça serait bien d'avoir la roue, d'avoir une vraie deuxième grosse ville. Et on va sûrement switcher avec le Magnus un peu plus tard. Pour faire un Magnus 4 sur cette roue. Alors, combien de goals? Pour moi, plus 6 là à chaque fois. Adraina. C'est les... terrible. Voilà, pas l'air d'être mal ici avec un aqueduc. Allez, on va tourner ton lac-duc. Prochain tour, le débat. Ou pas. Et on va même économiser nos gold pour en acheter, je pense. Elle est où le Big Ben? Il est là, le Big Ben? Il y a une chance qu'il soit là, le Big Ben. Il y a une chance qu'il soit là aussi. Une grosse chance qu'il soit là. On va finir l'école militaire. On va le mettre ici. Après, c'est une 5-3-1 uniquement. Hein.
J'ai envie de dire. Voilà. J'aurais bien voulu avoir raffinage, centrale à pétrole. Et c'est 5 tours, c'est vachement long. Là, on a la centrale à charbon en plus 8. On regarde à droite, à gauche si on n'a pas besoin d'un truc. Le consulat, ça serait pas mal quand même. Les marchés qui sont en train d'arriver. Une route. Deux routes. Pour des villes qui ont du mal. Qui veulent avoir un peu de mal. Donc lui, il est là. Le russe. Non, mais on regarde. On regarde où il est dans la game. Juste comme ça. Deux techs d'avance. Je sais pas s'il y a Nalanda dans la partie, j'imagine que non, mais bon. Ouais, il est déjà pas mal avancé hein, pour un tour 77. Et oui, premier de la game maintenant. Kung Fu Kenny qui est dernier, mon allié. Putain, avec un Gandhi sur lac. Vachement étonnant quand même. On lui trade aucune route. C'est parce qu'on cherche de la science, nous. Cherche de la science et en plus son petit trou nous donne de la culture supplémentaire avec la petite carte de confédération marchande. Donc prochain tour, on va histoire naturelle pour aller faire le zoo et nous donner du bonus de proximité d'activité en radius de ce complexe de loisirs. Je crois qu'on va faire une zone indus qui va être plus 4 et ça va être peut-être notre première. Oui, peut-être. J'y crois pas trop, mais peut-être. Neken qui a du mal à gros, on va lui envoyer de la route aussi. On a un campus qui est en train de se finir sur Edfu. Pas mal ce petit Killua au final. Ça permet au moins de récupérer des émissaires. Venise plus 2 de gold pour chaque ressource de luxe dans la ville d'arrivée pour vos routes commerciales internationales. Artiste illustre. Bientôt ça. Shakespeare. Ok, let's go. On va se faire un petit projet, je pense. T'as rien à foutre en plus, quasiment. Voilà, un tour, bien. Donc, un tour, on va te la faire. Alors, ce que je voulais, c'était des battes. Bon, c'est dur, les cartes. Il y a plein de trucs qu'on voudrait. Ici, on va se faire plaisir, on va en acheter un. Les labos en train d'arriver en face. Nous, on les a pas encore. Mais on a plus de tech que l'autre. On a été faire les arbores. Hein. Forcément, c'est ça qui joue. Lui, il les a pas fait. Alors, un petit bat en plus à droite à gauche. Ouais, ici, clairement, même si c'est en 5 tours, on va te le faire. On va te faire le bat ici. Là, on peut pas passer à côté. Où est-ce qu'on peut aller avec celui-là? On peut aller commencer à faire ça, là, à droite. Les prochains tours, on voudrait quand même faire les labos. C'est ça la vérité. Ouais. Ça aussi, ça part. Est-ce qu'on garde ses émissaires? Allez, pour les labos, il va nous falloir 3 émissaires chacun. Ou alors on conteste Venise et on aura de toute façon besoin de 6. Je pense que je vais faire ça avec l'artiste. Juste derrière, ça fera 6 et on aura de l'argent via nos bourses. Pour acheter consulat, etc. Avec notre foi, on peut pas faire un petit truc. On a du mal dans cette ville. Là aussi. Même te reprendre ça. Allez, je te prends Venise.
Il y a une forêt à un tabac en plus. Ouais, je pense que c'était très bien. 511, 857. On regarde les activités. Hop, c'est là. On est en plus 3 partout. Sûrement grâce à la fourrure et ou au tabac. Je vais acheter un archéologue avec la foi. Non, je vais pas faire ça. Parce que je peux pas faire ça si je suis pas en rue. Avec le gold, pourquoi pas. Mais il manque du gold, du coup. Donc, un bat ou deux. Qu'est-ce qu'ils ont fini, là, les gonzes? Potala, Bolshoï, terre cuite. Bifur, terre cuite? Ouais. Nickel. On va les foutre là. On va chop tout ça. On va aller vers le fer ici. On va aller vers le fer. Et on va aller vers les mines ici. Des labos partout, je pense. Singapour. Oh, 5 émissaires. Mass Media. C'est qui lui? La Mongolie. Ah. C'est pas mal de se récupérer ça aussi quand même en vrai. Un petit consulat. On a une route en plus à faire. Une ville qui a du mal. T'as pas de mal. Ton petit grenier. On pourrait acheter les monuments aussi. J'ai une ressource de luxe, je crois, à trade. Agrumes. Personne n'a d'agrumes. Oh là là. On a olive et teinture. Il y a du diamant ici. Je sais pas s'il a de la teinture. Hein. Ah, petit deal, on leur dit. Il n'y a plus aucun bat en train de se faire d'ailleurs. Si, il y en a encore. On a toujours l'habitation plus 3. Toujours en train de gros efficacement. Bien. Bing. Bing. Voilà, on a perfect plus 3. Et lui aussi, il a accepté. Certaines villes en plus 4, est-ce que ça mériterait de mettre une carte d'activité de plus? Je suis pas sûr. Pas sûr, je suis pas sûr. Vous savez qu'il est toujours à moi, mais bon. Singapour, inspiration pour Mass Media, ça c'est radio. Radio, on a le boost. Hein. On peut aller se faire ça. On a deux trucs à faire, du coup. Donc on va sur aviation. On fait radio pour le boost Mass Media pour avoir un émissaire sur la cité-état. On essaie de se récupérer cette cité-état aussi. Deux cités-état orange avec Keloa. Bien pour les games. Et puis aviation pour commencer à poser peut-être 2-3 airports. Je pense qu'on est parti sur une scientifique là en vrai. Histoire naturelle, on va pouvoir changer les cartes prochain tour. Ouais, je te rachète un bat. Toi, t'avais du mal à gros. Mont Saint-Michel qui était fini. Est-ce qu'on pourra roadshop? Peut-être ici, là.
Et là, il me faudrait un bat aussi. Aïe 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 aïe. Là, j'ai oublié de mettre l'aqueduc. C'est moi qui laisse pas, y'a un Eolaf. Non, mais je le tue pas, c'est tranquille. Ça a l'air d'être Chingueti, ça. Saboter des fusées. Hop, spy niveau 2. Donc, musée d'histoire naturelle prochain. On n'a rien à acheter. Ouais, on n'a pas de sous. On a 4 tours, toujours ça. C'est 4 tours, 4 tours? Ah, 4 tours, 4 tours, ça. 4 tours, je doute. Ah, il n'y a pas eu l'ingénieur qui est passé. Celui-là, on va le refuser. Alors, on a toujours d'ailleurs James Young. Il faut qu'on en parle. Lui, c'est moderne ou industriel. Donc là, j'ai acier, déterre un artefact et les deux corsaires. Qu'est-ce que je vais faire de plus simple? Je pense que ça va être acier, hein. Artefact, ça va coûter un peu de bonbons. Coûter les bonbons. Après, on pourra le faire depuis ici. Les bonbons. On change les cartes, hein. Prochain tour, évidemment. On pourrait économiser pour l'acheter. Prochain. Dans deux, pardon. Ah! Ça veut cesser. Ça veut cesser, ça veut cesser. Moi, à mon avis, Bifur, il va faire un grand minus. Ça dépend de son nombre de tech. 37 tech. Il a que 8 tech de retard, ça va. C'est bien pour un russe qui est parti sur vraiment beaucoup de culture. Ouais, c'est quand menu? Ou si t'es éthiopé. Yes, yes, I am first. Bah, je suis premier là actuellement. Yes. Taruga, ça me fait chier aussi un petit peu. Tous est-ce qu'on peut envoyer une route? On aura 4 émissaires bientôt. Ah, ici, 6 votes. Irel T81, Germanie, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Une petite commande en plus. Secrète. Secret de vote. CCT 81. Lige. Lige, Cléopâtre. Cléopâtre, c'était chaud. On n'a pas eu nos paliers de snowball. On estime que, genre, par exemple, tour 30, on aime bien avoir 100 de score d'air. Tour 50, on aime bien avoir 300 de score d'air. On aime bien avoir 150 de prod. On n'avait pas tous ces triggers-là, tous ces paliers-là. Mais on avait réussi à faire d'autres choses dans la partie qui étaient essentielles pour le snowball sur late game. Des merveilles d'early comme Jardin Suspendu ou comme Grande Bibliothèque avec les Télénonki, tous ces marches qui ont été extrêmement utiles pour réussir à faire cette science de mid-game qui était très très dure à faire sans véritable campus au début de game. Donc, bien joué. Bien joué, nous. Bien joué, nous, si ça cessait. 6-3, c'est bien ce que je pensais, cette game elle est pas cessée. High minus, voilà, 7-2 du côté de la Germanie. Donc la Germanie c'est comment? C'est pas bon? C'est bon la Germanie? 7-2. Et non, du coup, notre James Young là, je vais le claquer direct. Bam! Voilà, et ça sera électricité qu'on n'aura pas. Et bah, on va se le faire boost ici sur Alan Turing, j'imagine. On pourrait s'acheter les corsaires, justement. Peut-être se piller un petit peu et se faire l'Aztèque. Toujours chez un Aztèque, mais.
Il a l'air d'être en retard dans la game. La première ou la deuxième place me va dans cette game. On aimerait évidemment mieux la première, mais bon. Donc vers la gauche, je pense qu'il n'y a pas grand danger. Il y a la Mongolie ici. Faut faire attention. Double clic. Ah, c'est pas mal. Le boursin. Tirel, please. Ah bah ouais, mais... Oh. Ah merde. Pas encore le taffé. On a les marchands qui sont en train d'être joués. Regarde un petit peu, on fait une action, on regarde le panel. Une action, on regarde le panel. Et deux chiens. Bite de chien, bite du chien. Et écoutez, ça sera juste le labo, hein. Ça vient d'être refusé. Ça n'a pas été refusé ou quoi que ce soit derrière. On regarde les marchands, on regarde les savants. Non, les ingénieurs, pardon. On aurait bien voulu avoir celui-là, mais bon. Cent douze. On va spammer. Si encore un refus, c'est l'Allemagne qui va prendre. Automatiquement. Parce qu'elle vient de quitter la game et donc l'IA autopique les différents personnages illustres. Qui va lui être proposé s'il a assez de points de personnage. J'ai autre chose à faire dans mes villes. Ah merde, j'avais le zoo. Je suis trop con. Ah, je l'avais pas vu. J'avais pas vu. Ok, urbain prochain. On va s'économiser. Ah là là, il y avait Singapour à faire. Et après, on s'économise les émissaires. Notre argent, on va acheter chancellerie et tout le bordel. On va bien monter à 500 de science là, 550 même. Il faut qu'on change nos cartes après. Retour pour le petit bat ici. Il y a des labos qui. Il y a quasiment tous les labos prochain tour. Me fait un peu peur. Faire un truc comme ça. Ok. Ouais, on peut se faire le musée d'or en un tour.
Alors, roublef, roublef. Ah merde, je suis con. Tant pis. On va le remettre là. En bibliothèque, Oxford, on a des emplacements. Ici, on voulait un archéologue en vrai. On va se faire la bourse, ça m'a l'air d'être plus efficace, plus efficient. Moi, je suis en train de mettre des aérodromes, mais bon. Je devrais pas mettre des théâtres. Pour deny un peu quand même. Le mec va exploser à un moment. Hein. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai envie de faire ma scientifique, certes. Le russe, je pense qu'il fait chier tout le monde. Et deuxième, moi je suis premier, je fais chier aussi les gens. Géru, Taruga, toujours. Deux émissaires. Et là, le problème, tiens. Qu'est-ce qui se passe, Yousmip? La Venise qui m'a été récupérée, on a perdu du GPT. Hein. Putain. On va rester comme ça. Finish Herelvot pour Mongolia. Ouais, d'accord. Kubilai Mongolie qui veut s'en aller de la partie maintenant. Kubilai Mongolie. O6 à machin. Et le mec sur Singapour, peut-être il va enlever sa manie là, ça va être bien ça. Sorry, fail. Lol. 7-1. C'est vrai qu'il est pas bottom 2 le mec. Après, il y a un bot. On va remettre team. Trois spécialistes à chaque fois. À peu près. Toujours pas décidé pour Singap. Toujours pas décidé pour Singap. On a besoin quand même de quelques aérodromes pour faire des boosts sur le late game. Alors les deux aéroports, les deux biplans, machin. Pour avoir un peu d'aluminium. Et pour pouvoir se défendre quand même aussi, parce que si les mecs viennent. On a deux, trois, je crois, qui ont été posés. Fini d'abord à Banque Bourse, qui sont mieux en termes de snowball évidemment, que faire des aérodromes pour pas faire la guerre. On a 908 de science de son côté à l'autre là. Il y a des cités établies que j'ai pas vues. Hein. À un moment, faut le dire. Oh, du chop. Trouver un truc pour ça. Un petit musée d'art supplémentaire. Bourse, bourse, bourse. On va chop ça aussi. Connais ça. On va se refaire donc un espion. On l'avait envoyé chez le Hongrois. Un autre là. Un petit réseau d'aigles. Oula. Oula! Je vois le délire. Je vois bien bien le délire. Et Guandi, je vais retourner chez le Zoulou.
Allez, on va mettre cette carte là. Je pense qu'on est bien. Il y aurait peut-être un petit peu d'activité à prendre. Cité ta blanche. À côté du russe, évidemment. Et on n'a toujours pas décidé pour les émissaires, c'est con hein. Je pense que je vais quand même mettre les 6 hein, dans un gap. Il va nous falloir d'autres émissaires évidemment, mais bon. On a acheté chancellerie et consulat, dans 2 tours on en aura 2 en plus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre les trucs de science, les émissaires de science. Est-ce que j'ai pas un émissaire à récupérer là dans les cas? Si, j'ai terre brûlée. Terre brûlée, il faut le faire là. Avant que j'ai les mitraillettes. De chien ça. Tant pis. Ça aurait été une ville de fou ça, hein, pour le moment. Pas de rivière ici. Hein. Moi je vais value vraiment le 20% durant toute la game. C'est pour ça que un land sans plaine inondable, mais avec des chops, c'est quand même pas mal avec cette cible. Faire brûler. Hangar un tour. Quoi ça? Mornal. 215. Je vais te faire un petit hangar d'abord du coup. Allez la banque, et je vais t'acheter le zoo derrière. On va faire enfin la zone indus dans la cape. Et le petit aqueduc. Banque, bourse, 8 de chien. Il en est où sur acier? Il est acier. Un petit peu de points de généraux quand même. Ça aurait été sympa de le prendre, mais on l'aura pas. On a plus de savants. Et l'électricité qui a été fait. On va se faire balistique avancer derrière. Les deux biplans évidemment. Ah, Néo il est pas happy avec 4 à mon avis. Il nous faut de la ressource de luxe. J'ai 2 sels. J'ai pas encore pris Singapour. Trois tours d'affilée qu'on le dit. Alors, vous me réveillez ou pas? Les techs? Ah mais il a 1025 le mec, comment ça se fait? Il y a 2 cités établies à côté de lui que j'ai pas vu. Les techs, je crois qu'on est toujours devant. 49, 47, 2 techs d'avance, mais je suis pas sûr qu'il ait fait Arbor, monsieur. Voilà. Pense pas qu'il ait débloqué ça. Je vois pas de Arbor, je vois pas de Holysight. Cité du Shing. Oui, c'est beaucoup. Le Hongrois 800. Hongrois 800 aussi. Et nous, on veut aller dans Mohax. C'est marrant, hein. Ces unités là qui sont vraiment plutôt vers moi. C'est marrant. Et je te fais un petit biplan ici. Bim le zoo. Et fait plaisir.
Biplan un peu en long, en 3. C'est vraiment ça qu'on veut, mais bon. Un gypse supplémentaire, peut-être pour trade. En bas là, on a tout en bas. Use MIP. C'est con pour le marbre, j'avais déjà. Bruxelles qui m'a été reprise. Use MIP. Bon. On va essayer de reprendre 5 gaps quand même. Pour la fin du tour. Regardez-moi ça, l'autre là. Ah, il y a 1018 de militaires. Va falloir qu'on économise, on achète des biplans partout, putain. Il est allié avec l'autre? Non. Mais il y a peut-être des trucs dans ma gueule directement. Vous avez vu ce que j'ai vu aussi? Il lui donne, hein. Il lui donne les boosts, hein, le mec. On va repartir de l'autre côté pour avoir un petit peu de masse quand même. 9 tours. Toujours pas réussi. On va faire les 6 émissaires dans l'autre cité tableau. Et on va acheter une centrale à pétrole. Enfin. Ici, on va pouvoir voir une bonne zone un peu partout. Il y aura une uranium peut-être là. Peut-être sur Gizeh, Gizeh, Pyramide. Même. Mille quinze. Merde. Bah ouais, hein. Un moment que j'aurais dû faire ça. Vol avancé, ok. Oh là là. Ça va être chiant. On va revenir, on va faire un barrière anti-inondation avec les ingénieurs. Le biplan direct. Hein. Être chiant, hein. On a même pas les trois infanteries, machin, bidule. On a même pas les bidules.
Ok, on a quand même un avion qui sort prochain tour. Une petite olive ici. À récupérer, pourquoi pas. Du jade. Tu me passes du jade avant de m'attaquer? Ok, c'est un gap. On est bien monté en termes de prod. Et si on regarde nos routes, à mon avis, ça doit être sympa. On va avoir un premier avion, on va faire un tunnel. 2-5, 2-7. 2-7, messieurs, dames. Si c'est pas bon, on n'a pas réforme de la monnaie. On voudrait bien l'avoir, évidemment. On a de l'alu, on manque de charbon, mais on est en train de faire du pétrole un peu partout. Je vais enlever ce moksha bientôt. Nanotech, c'était fait. D'accord. Ce qu'on voudrait, c'est le laser pour être vraiment safe. Je pense qu'on peut aller se le faire assez rapidement. Par contre, il faudrait que je pose quand même mon spatio. Un petit plus 5. Aéroport, un tour. Ça me tente bien quand même. Hein. Ma captab, on peut se faire. Non, on peut pas se faire ça, là. Merde. On a l'autre zone Indus, on aura un peu de prod sur cette ville. De toute façon, on a les deux chops. Pour se faire ça. Peut-être même, hop, ceci. Derrière l'usine. Là, je peux te dire, c'est bon. On enlève Teb. Teb, alors, ça va faire 227. À combien de culture? 197. 30 de culture. Un petit peu quand même. On va sub ça quand même. Quatre points pour l'âge d'or, mobilisation, c'est bientôt. C'est bientôt et qu'est-ce qu'on a pour mobilisation? On voudrait bien acheter un blindé. Est-ce qu'on peut prendre un blindé en un tour? On peut faire un cuirassier déjà. Ça serait pas mal quand même. À la place du blindé. Pas de blindé en 1. De cuirassier en 1 par ici. Chier. Un 9 a déclaré la guerre au Kibli. Donc c'est bien la steak qui va se faire rouler dessus. Pas encore les tanks de up. Mais il va piller, regardez-moi tout ce land. Il y avait même une petite réserve sur le désert blanc, mais l'ami Aztec, il a 1082 quand même. Donc il avait un peu vu. On va voir si Zitaplek tombe directement ou non. Il y a du land après, derrière. Et on va faire un petit bisou à Chaton! Et y'a les blindés. Et y'a les blindés. Chasseur ici. On va commencer à les déplacer à la mano.
De l'eau? C'est bien l'eau. J'ai de l'eau. Ah, je sais pas. Allez, il y va. Merci Nika. Bisous chaton. Elle était tombée. Elle a failli tomber à mon moment. La petite armurerie. On a le plus 5 d'activité à réussir à se faire, mais c'est pas tout de suite, je pense. Et hop, on âge d'or. Grâce au tunnel. Ouais, j'ai bien envie de te faire ça si possible. Est-ce que je peux? Un peu chiant. Robotique 9. Je pense que je suis safe à partir de ça. Ok, on va. Hein? Quand même. Deux centres de radiodiffusion, ça va être bien. Spatio ici. C'est toi qui vas faire les spatiaux. Une rivière qui a pas grand chose. Cinq tours. Okay, on se met là et on va se mettre hop ici une piste d'atterrissage aussi. Un peu de chop, un petit mouton, pourquoi pas. Eh, pas mal ça, Néo. Est-ce que la visibilité a été prise? Non. On a 73 points sans rien faire. Ah, on a de la banque, on a de la bourse. Bonjour, Sanfangel. Vous avez vu sur Steam, madame, monsieur. Oui, Discord, c'est bien. En dessous du lecteur sur Twitch. Non, mais comme ça, c'est avec tout le monde, c'est en groupe. On va pas commencer à se faire des sessions privées. Oh, c'est trop après. Ah, c'est trop après. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Chaton qui va t'appeler. Et te faire qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton projet? Ah, Chaton, un peu te parler comme ça. C'est vrai. 7 tours, le spatial chez City. Ah ouais? J'ai pas vu. On doit être à tech égale. J'ai pas vu 4 tours ici et ça fait 2-3 tours qui est déjà enclenché par contre. J'ai plus de prod. Sur le spatio et peut-être sur aussi les autres trucs derrière. Moi j'y crois. Peut-être un peu plus de culture et des meilleures optis depuis le début. Donc j'y crois aussi au niveau de fascisme, démocratie, etc. Alors c'est tombé, c'est pas tombé direct ça. Ah non, on va avoir du mal hein, ici. On va se mettre un petit chasseur de l'autre côté, non? Pour voir quand même, au cas où. Hop, 5 tours ici aussi. Mais là on en a pas besoin. On va se faire centre de radiodiffusion x2 pour pouvoir se faire le petit satellite. On va commencer à aller sur Nanotech. Allez, le hangar en un tour, c'est bien, parce que ça va me faire de l'aluminium pour plus tard. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de la ressource stratégique pour faire les étapes victoire scientifique. Intégration verticale, ça c'est bon. Une Amani, pourquoi pas. Ressources stratégiques, encore une fois. Eh, ils me font chier avec Singapour. Hein. Mass Media, Opéra et Ballet. Merde. J'y crois pas au mec à gauche, là. J'y crois zéro au mec à gauche, en vrai. Et bam.
Les 4 réseaux d'égout, ça s'est fait aussi, apparemment. Et la culturelle. Ça se fait bien ralentir. Ouais, peut-être qu'on pourra se faire l'école militaire derrière, il nous en faut 3 pour faire le petit fascisme. Ouais, une civ qui est bien parce qu'en termes de food, on va pouvoir récupérer tout ce qu'on veut durant la game. Est-ce qu'on a besoin de science supplémentaire ou un peu d'activité? Mass média qui va arriver, mais ça va pas nous influencer de quoi que ce soit. Les logs des labos, hein, ce que je vois. En plus à faire. Toi, tu vas récupérer ça. Tu vas récupérer la petite mine en plus. Hein. Cheval. What the... T'as déjà ça. C'est une mine aussi. Ouais. Singap, Bruxelles. Faudrait bien les récupérer sur late game. Et on fait pas énormément de points d'influence. Comment on pourrait en faire plus? On a déjà fait notre chancellerie. On fait 800 balles. Il doit y avoir des trucs à faire. On va se faire les 3 blindés aussi. On va se up ça. Ça sera aussi un premier 3 étoiles. Dans tout ce Zoulou là. Le Zoulou Zoulou. Ouais, ça va être refusé tout ça. Contact trouvé. On essaye de piller maintenant, 84% de chance. Beaucoup de chance. Et on va se faire le campement ici. Hop. Nickel. Un peu de gold supplémentaire. Et là, c'est aluminium et uranium. J'ai bien envie de faire l'aéroport. Hein. Je vais même te garder un petit mec ici. Il y a de l'hélico. Hein. Je sais pas si c'est pour moi. Ce serait dur si c'était pour moi quand même. Non mais. Genre le backstab vraiment de la fin de la game. Ah là là, ça serait quelque chose. Là, j'ai pas ma barrière anti-inondation. Ouais, elle protège de la merde, je m'en fous. Je m'en fous. Partie résidentielle plus 6. Hop, on va le faire là. Un boost. Et ça, c'est pas mal non plus, mais c'est pas un boost. Du score d'air. De faire les deux mines, ça sera peut-être... Ce sera sûrement mieux. Ok, ok, comme on dit. Ok, ici c'est bon. Ça c'est un boost encore une fois. Le déploiement rapide. Un petit réseau d'égout, quelque part. Si ça sera pas trop mal. Tiens, c'est quoi? C'est pourquoi? Réunion. Je te demande juste quand même. Ok. Ça fait peur ce que t'es en train de manigancer quand même. Je vais être franc avec toi. Un terrain armé qui a été boost, ça c'est pas mal. Et on va partir satellite derrière. On n'a pas d'habitation à aller chercher et pourtant on a Médina.
Là, c'est de l'activité, encore une fois. Qui dit activité dit ressources de luxe. Qui dit ressources de luxe dit des perles. On a plus de cacao. On a plus d'ambre. On a plus de perles. Cacao, ambre, perles. Cacao, ambre, perles. Épices. Cacao, ambre, perles, épices. Beaucoup de trucs quand même. Et la city a la majorité des trucs. Non cacao. Smim qui a du cacao. Si on arrive à 30 plus 5, c'est incroyable. On avait récupéré les émissaires aussi nécessaires pour prendre les dossiers d'état orange. C'est fantastique. Pouette, 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 pouette. Sacré musique. Eh, le bif! Le bif, tu veux quoi? Tu veux une olive? Réseau d'égout plutôt. Ah non, ça serait plutôt le hangar, ça coûte plus cher. 160 de prod. Et on va faire le réseau d'égout derrière. On va lui laisser à l'autre là. On va lui laisser. Nous, on a envie d'avoir le truc des ingés. Donc on va commencer à se faire quelques ingés. Une petite Reyna dans Neken. C'est l'endroit. C'est l'endroit qui a récupéré tout ça. Bon. Nickel, nickel, nickel. Moi, j'ai voulu être gentil avec mon coéquipier. Ça a marché. On est encore up en termes de production tout de même. On est à 189 de prod sans l'intégration verticale. On a la petite centrale à charbon, à pétrole et bientôt uranium qui va arriver. Est-ce que ça serait pas là d'ailleurs? Je crois que c'est là hein, qu'on la fout. C'est ce qu'on avait dit. Fission nucléaire, on pourrait la faire. On la faire, ça va nous augmenter notre science encore. Qu'est-ce que t'as toi ici qui pourrait être pendant la récup? À 2-2 en règle 3 là. Stop ça. Je suis en train de faire un ingé, bon. Il y a des petits campements qui sont partis un peu partout. Un peu mieux de la science, hein, frère. En vrai. Ouais, c'est bien quand même, c'était 15 de prod de plus. 130 de prod sur cette ville, 140, 109, 189, 113, 130, 103, 89, 81. La plus basse, c'est 33, c'est A4, c'est la ville qu'on a prise. Les gars, c'est pour ça que je prends jamais de ville. J'arrive pas à les faire, gros. Seb, combien de prod? On est à 186, on monte à combien? Allez, dites un chiffre dans le chat, là c'est parti. Les propositions, les gars. 186 à combien? . 215 du côté de Ibanka. Qui n'y croit pas? 230, 225. 2884, c'est beaucoup. 225, 223, 386, 386, je sais pas, j'ai rien su. Intégration verticale sur notre Magnus. On va acheter en plus la petite centrale nucléaire.
Et on va cliquer, on est à 234. Attends, 234, t'es sûr? Il y a 7... 238. 238 max. On peut pas aller plus haut. Plus haut. Et on va se faire le satellite. On repart en bas. On va s'économiser un peu de goal à un moment. Ça veut pas dire que c'est tout de suite. École militaire en un tour, j'aurais bien voulu la faire. Beaucoup de play pour le sim. Hein. Un peu de grid là quand même, sur 2-3 trucs. On a des avions, certes. On a du gold, certes. On devrait bien faire donc des projets pour ça. On va se refaire un petit avion. Bourse, let's go. Passioport. Toi tu nous fais quoi? Toi tu nous fais ça tout simplement, on commence. J'aimerais bien faire le spatio ici, mais ici c'est mon anneau de scène. Mon anneau de scène. Voilà, vous l'aviez pas vu? Ben moi je l'ai vu. Eh c'est comme ça. On va se foutre ça là. Est-ce qu'on a plus que ça à faire? J'ai l'impression. Mais c'est un peu tôt encore. Encore un peu tôt, on peut se faire petite zone indus. Petite zone indus. Et il nous faudrait un peu d'activité, comme j'aime bien le répéter. Alors, il vient de up tous ses hélicos sur 3 tours à l'expiration de l'alliance. Donc il a dit oui, non, t'inquiète pas Gaston. Mais quand même. Gaston se pose des questions. Ok, on est bien comme ça. Est-ce que quelqu'un fait une vidéo où là je fais des nukes? Je fais assez rarement des nukes. Ouais, c'est pas vraiment mon gameplay. Je préfère partir GDR, avion bombardier, pour tuer que Duke. Duke, c'est bien dans une situation où t'as un mec qui a énormément d'unités pour pouvoir splash les units, pour pouvoir les kill quoi. Lui, il est allié avec la stack. Il est allié avec la stack. Il y a peut-être des unités dans les parages. Hein. Je vois pas. Hein. Là, il y a 1500. Il y a un chevalier qui est au nord, certes. Mais j'ai des espions un peu partout chez lui. Ouais. Pose-toi les bonnes questions. Bah, je suis d'accord! Idéologie, bientôt. Comment ça se passe avec culturel? Ça devrait aller actuellement, mais bon. On va commencer, voilà, 133, on va commencer à être dans un. Dans le monde où on peut pas trop virtuellement augmenter le nombre de touristes. Et là, un peu chiant. 2 tech toujours, 4 tech par rapport à eux. 475 de tourisme, c'est pas beaucoup, hein. Let me renew, please, don't have time. Ouais. Ah ouais. Campement, comme on a expliqué aussi, pour avoir le 15% en plus quand on va faire les spatiaux partout. Enfin, on enlève. On le veut pas. On a perdu un sel. C'est chier. C'est chiant. Petite caserne. On achètera sûrement l'école militaire. Allez, bim.
Alors ici, comment ça se passe? Bruxelles, on a deux émissaires, on pourrait récupérer. Hop. Ah, je veux. 842, c'est un petit peu meilleur. Et vous voyez, la city pas continué d'augmenter, hein. On a à peu près les mêmes stats. Juste, je suis en avance par rapport à elle, un petit peu. Je dois voir sensiblement un peu plus de goals. Bien joué, hein. De la part de Hando, là. Belle game de sa part, dis donc. Alors, prochain tour. On a bien satellite, hein. Les trois blindés. On y pense. Ouais, ça fait un peu chier, mais bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici qui pourrait nous être utile? Pas grand-chose en vrai ici. Un projet pour le campus, histoire de faire un petit peu de science virtuelle. De 1300 de prod. On est tour 93, 94. On pourrait regarder. L'uranium. On est 3 sur l'uranium, dont l'ami Hongrois. L'ami Hongrois, il fait pas plaisir. Il est en guerre contre la City. Pas contre moi. C'est dingue. C'est-à-dire qu'il a déclaré la guerre au moment où on n'avait plus les alliances. Pour pas être en guerre avec moi. Je dois le dire, quoi. Ou alors, il a déclaré un des alliés de la City, donc l'Allemagne par exemple, pour pouvoir être en guerre avec la City et pas contre moi. Marrant, malin. Est-ce que c'est pour bait? Regardez. Gandhi, Roosevelt. Et je suis pas en guerre contre lui, moi. C'est bizarre cette histoire quand même. Il y a mes deux alliés qui sont en guerre contre le Hongrois, mais moi non, ça va pas toucher. Petit mur de tank, ça mange pas de pain. Là, c'était surtout pour les trois blindés. Je vais up tout ça pour mon prochain Eureka. On voit les jetfighter robotique dans la ville la plus importante en termes de prod. Donc, du coup, 238 thèmes. Faudrait essayer d'augmenter encore un peu tout ça. Démocratie va être intéressant pour augmenter cette prod encore. Et satellite, on va pouvoir voir toute la map. Toute la map, les cités-états, est-ce qu'on en a manqué une? Oui, je pense. Ouais, je pense, hein, dans la toundra là. Pas un truc là? Ou là-haut là? Là-haut là. À côté de la city, y'a rien en plus, putain, ça me dégue. Rien d'autre. Rien d'autre. Pas de troisième cité-état bleue. Y'a Kaboul. Y'a quatre cités-états rouges. Ok. Donc lui, ça go sur la steak pour piller bite de chien, quoi. La production pour les fusées, c'était celui-là que je voulais. Trois tours, un peu long ça. Faudrait que je réussisse à faire un petit campement en transi. Pour voir le 15% à un moment. Alors c'est pas tout de suite, mais. Trois tours pour fascisme. Ah, il va full piller. Est-ce que c'est comme ça qu'il va réussir à faire la victoire? Je sais pas, on va voir. Ah, s'il me reprend des techs là, ouais, c'est compliqué. Nolaf qui est deuxième maintenant. C'est quand même une route. Quand même. Voilà, 200 balles. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ok. Alors ma 15-15 là.
est toujours utile. Je pense que de l'activité supplémentaire, passer certaines villes en plus 5, ce serait pas mal. Voilà. Et rechoper une ressource de luxe. Vas-y, fous-moi de la perle. De la perle, les gars. Diamant G. Épice. Ah, donne-moi un petit cacao, toi, gratos. T'es en train de piller là, c'est abusé ce que tu fais. Abusé. On est en plus 5 dans certaines villes. Ando a accepté aussi. On est en plus 5 ici. On est passé à 258 de prod. 1422. Et c'est donc combien? Plus 5, plus 4. Seulement. On n'a rien d'autre à mettre au niveau des cités-états. Il nous faudrait des émissaires pour les cités d'État orange, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Matériaux composites. Ah! C'est pas moi qui vais choisir. Je vais pas choisir ça. Non, j'ai zéro faveur. Alors qu'est-ce qui me bénéficierait? Lancement de la colonie martienne, d'un truc. Ça serait bien qu'il y ait un truc, quoi. Donc on pourrait mettre ça, tu vois. Allez, bim. Allez, bim. 59, 57, 55, 51, 48, 47, 45, 45, 44 et 42 qui blie. 42 tech contre 59. Alors, pas contre moi qui joue, mais voilà. 59 tech sur 95. On a eu Oxford, donc ça y est, on a 36 tech de différence par rapport au temps de tour de la game. Game dur. Game dur. Mais, on est remonté, et on a fait ce qu'on devait par rapport au match-up, on va dire, à peu près de la game. Pouvoir se sécuriser, on va dire, un peu cette avancée, ce snowball dans la partie. À 5 tours pour le spatioport, j'y crois pas trop. On a encore 2 ingés qui viennent de tomber, là. Pas sûr que ce soit intéressant pour moi. Il y a Teotic Monas, là, qui est en train de tomber. Je pense que c'est la Mizulu qui est là. Lancement de l'expédition exoplanétaire. Lequel celui-là? Le premier? Je pense que c'est le premier. C'est con qu'on puisse pas le faire en 1 celui-là. On va se remettre cette carte-là, on va se mettre cette carte-là. Vétérance. Vétérance. On entend les pillages. Hein. Moi je les entends en tout cas. On va le mettre à côté de l'autre. Non, on va pas faire ça. On va retirer une case de cette ville-là. 4 de prod. Empêche. On le fout là. 10 tours. Lui, il faut que je le fasse, par exemple. Ça, c'est sûr. 9. 9. Et le 7, on va le faire. Lui, je vais pas le finir. Je vais faire un chasseur en plus. On sécure un peu. En 7, c'est pas encore. Pourquoi je dis que c'est pas encore? Si je me souviens bien. Si je me souviens bien, il n'y a pas beaucoup de tech derrière, mais il y en a 8, tu vois. Il y a 8 tours. On peut se dire, si je suis timing perfect, je peux aller sur la dernière étape scientifique en 8 tours. Donc question de faire de l'espace ou pas en 8 tours. Pas de bail.
Donc 8, 7, 7, 7, 9, 9. Là, on va pouvoir se faire peut-être un chasseur et c'est reparti derrière. On économise un peu de gold. On se demande qu'est-ce que lui fout là. Il y a bien le zoulzoul hein, ici. Personne n'est sur la scientifique. Est-ce que ça a posé des spatioports? 0, 0. Ah, Ando, oui. Sinon, personne d'autre. Là, on n'a pas besoin d'avoir ça en 4. Un blindé moderne, tu vois, une unité en plus, ça aurait pu être l'occasion de, ou limite un bat. Est-ce qu'on a des bats à faire là aux extrémités de nos villes pour chop les différents bois afin d'avoir une avancée sur les étapes scientifiques plus rapide? Donc là, les chops de derniers instants de la game, tu désaménages, on va dire, tous tes trucs, tes luxuries qui sont sur des forêts tropicales ou des bois, tu les désaménages, tu chopes le bois qui est derrière, en dessous de la ressource de luxe et tu réaménages la ressource de luxe. Pouvoir gagner justement ce chop. Il va peut-être te faire gagner un tour ou deux, tu vois, sur des étapes, ou que ce soit de la scientifique et te faire win-win. Alors. Fascisme prochain. Ouf, 55 balles. Pas mal ça, 55 balles. Qu'est-ce qu'on aurait besoin ici? Bah, pas grand-chose. On aurait peut-être besoin de battre, tout simplement, pour la fin de la game. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire ici. On va se faire des battes qui vont aller à droite, à gauche. Tu vas faire un petit bat aussi. On a 1024 de militaires, hein, quand même. Ah, rien. L'autre il a pas accepté. Nanotech qui arrive. On regarde les ressources. Ça aurait été un élément important dans le game, ça. Et on va pas trop m'ordonner en vrai. Allez, derrière là. Il a été gentil, le Hando. Vrai allié. Vigne. Oh. Vigne, non? J'ai du Mercure, moi? Du Mercure. La bif. On est passé en plus 5 quasiment partout. Pas dans Thèbes, malheureusement. C'est bite de chien, hein. Il faudrait un parc aquatique. Ici. Ouais, un peu nul de pas l'avoir de pas y avoir pensé plus tôt. Et on va s'acheter tous les trucs, histoire d'être en plus 6 dans nos villes. On a Vétérance. On fait nos écoles militaires un peu plus rapidement. Derrière, il y a Spatioport un peu partout. Il y a 2 points de sens. Bah ouais, il y a un zoo. Et nous, c'est pour faire ça. Oh, le 12 tours. J'y crois pas trop. On va quand même le tenter, mais... On va quand même le tenter. Et on va lock la prod ici. Deux tours avant déclin. On va essayer de réaménager un peu. 1447, c'est des belles stats, hein. Mais juste, on est un peu en retard dans les games.
On va pouvoir se one turn peut-être. On va se one turn les dogmes, évidemment, parce qu'on a conquête à l'espace. Le voyage sur la Lune, ça vous permet d'avoir un montant de culture égal à 5 fois votre science générée sur ce tour. Hein, 4000 de culture, bam. Cynthia, we find. Pas sûr, sûr. Lui, il fait des trucs, il plante des machins. Il veut nuke. Oh, qu'est-ce qu'il fout, le Hongrois? Lui qui me fait le plus peur, mais c'est lui qui joue le plus mal, j'ai l'impression. Ça fait peur aussi. Totalitarisme, ok. Alors moi je voudrais bien course à l'espace. Voilà. Et repartir démo après. Repartir démo après. Avoir fait fascisme, bam. On va mettre des trucs un peu à la con au-dessus. Académie des sciences, allons-y. Par contre, du coup, comment on le one turn, on va se faire suffrage derrière. Pas tour, nickel. On n'a pas les deux charges en plus, c'est dommage. On va mettre la carte prochain tour, je pense. Oh là, c'est quoi cette musique? Oh là là! Ça, c'est la playlist gaming, je vous rappelle. On a mis la playlist gaming aujourd'hui. Bah, c'est normal, on est des gamers, non? Petit tour. Pas de tour, l'autre truc. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. On avait un truc, on voulait changer les. Parce qu'on était en minus. Alors, hop. On va se remettre un peu de prod dans certaines villes. Les villes qui ont du mal à sortir les prochains spatiaux. Voilà. Un petit émissaire peut-être à récupérer. Bruxelles, sous-marin nucléaire. Phaser lance-missile. D'acheter ça. Ouais, je pourrais. Ok, Münster, Dortmund, il est en train de récupérer tout le land à côté. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, j'ai l'impression. On va avancer l'avion. On doit avoir du stack de science quand même de Barjo, je pense. Deux drones, on n'arrivera pas à les faire. Je pense qu'on a du bon stack de science, mais je suis pas sûr, sûr, sûr. Hein. On peut avoir une vraie bite de chien qui peut se passer. J'hésite à partir à info, mais info c'est deux techs quand même que j'ai pas besoin. Le Zulu vient sur toi, le Zulu vient peut-être sur moi, mais je suis pas en guerre contre le Zulu, il est en guerre contre la City. Ah, ah, ah. Moi je... Bon, bizarre l'histoire. On va pouvoir acheter des GDR dans pas trop trop longtemps non plus. On va sur la tech. Est-ce qu'on va sur la tech? Ça serait un peu safe hein, de faire ça quand même. Mais personne ne peut vraiment m'atteindre à part le Zulu qui n'a pas encore de nuke. Ça fait longtemps qu'on avait regardé s'il y avait de l'uranium. Mais qui dit pas d'uranium du côté du Zulu il y a genre 5-6 tours, dit pas de projet Manhattan d'ici au moins 12, 13, 14, 15. C'est drôle. Ah, c'est... Pas de backstab validé, c'est bon. Les musiques d'édit de TikTok GPP. Ah mais putain, c'est que ça. Playlist Playlist gaming. C'est pas si mal des fois. Un musicien. Allez, vas-y. Mets la démo. Là, on va être
Et c'est sur en plus 5 avec juste ça. Donc on va se mettre les bâtisseurs en plus. Ouais, prochain tour pour ça, c'est nickel. Bim, Singapour. On va générer une petite ressource de plus. Une guerre froide, ça a même été boost. Pareil ici, dans les villes qui vont pas faire de spatioport, on va mettre des battes un peu partout. Il y a un truc ici. Il me prévoit quelque chose le Hongrois ou pas? Hotep. En contre-espionnage, les quartiers de la ville sont tous défendus. On va revenir chez nous, je pense. 1700 bah 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 bah. Non, plus 5, plus 6. Ok, on n'aura pas besoin du parc aquatique. On va quand même le finir. 5 tours, 7 tours. Est-ce que j'ai des petits trucs à acheter par-ci par-là? Un petit bat, pourquoi pas? Grenier, tout ça aux F. On a vraiment plus rien acheté, j'ai l'impression. Peut-être ce petit bat en plus. Il va lui aménager un peu tout ça, il va lui donner de l'électricité. 89 plus 15 aluminium par tour. Donc on va pouvoir en chier des projets de Lagrange. Lancement de la colonie martienne, 280 sur cette ville-là. On peut faire un peu plus, mais on n'a pas le temps de faire un peu plus. Ouais, bat pour speed up. Il y en a un qui est en train d'arriver. Plus mieux pas déclarer la guerre à l'Aztec aussi. Tout le monde déclare la guerre à l'Aztec. C'est dur. 9 tours ici. Hein. Passe des trucs. Est-ce que ça serait pas moi qui la défendrais cette culturelle maintenant? 285 toujours du côté de l'autre. 9 tours, hein, ça dirait ah, c'est moi qui la défends. Et je me suis mis en démo comme un connard. Je pense que j'ai pas besoin de démo. Ah, elle est en démo, je suis une bite. Je suis une bite, je suis une grosse bite. Une grosse bite. Pourquoi? Merci, Fabius. Parce que la culturelle, en fait, si vous êtes dans le même gouvernement, bah, on s'entend mieux, quoi. Deux gouvernements démocrates s'entendent mieux qu'un gouvernement fasciste et un gouvernement démocrate. C'est sûr. Alors, fasciste, communiste, ça peut, voilà. Alors, tout peut aller. Mais généralement, c'est mieux quand les gars, ils se ressemblent. Merci, Zelot. Merci beaucoup. 33 mois et Miss Talves. Mister vs Dallas, que de joie et de bonheur. M'étonne. Qu'est-ce qu'on a ici? Faut que je fasse gaffe, il y a 67 quand même à faire, ça me paraît beaucoup. Moi j'ai tout ça dans pas longtemps. Voilà, je suis en 2. Je vais être sûrement en 1 derrière. Et donc du coup je l'ai en combien après derrière? Je l'ai en 4 le truc. Un peu trop rapide pour ça. Donc en 4 et il me faudrait que je défende un peu la culturelle. J'ai pas besoin d'autant de prod du coup. Ah il faudrait que je reparte en communisme. C'est terrible. Je vais faire course à l'espace communisme. Faire communisme tôt, course à l'espace. C'est sûr,
C'est moi qui défends, mais bon les gars, l'autre il va piller, l'autre, je lui fais confiance. Allez, allez on gamble. Allez, let's go. Allez, c'est bien, c'est rigolo. Teb. Teb. Où moi? Oh, ça, on entend les bruits des villes qui tombent au fur et à mesure. C'est dur, hein. Tupac Camaro. Bon, on doit se trouver en territoire ennemi, marrant ça. Ah, je vais vouloir te chop, moi. Les trucs, les projets ici. On va aller le plus loin possible. Avec pas mal de bats, on va continuer à en acheter depuis la B1. Et 6 charges. Oh! Airdrome de dingue. Mon petit plaisir, ça. J'avoue. Là, il y avait un scout, là. Je sais pas pourquoi il était là. On va retourner donc dans Teb. Avec lui. On écho. Ah, pour le Big Ben. Non. Pour des GDR au cas où. Oh, c'est 4 tours les GDR. C'est énormément de tours. C'est énormément de tours. Other lance missile. Allez. Badaboum. Ah! J'avais guerre froide, j'aurais pu changer les cartes. On va vouloir avoir des émissaires. J'ai pas mal d'émissaires à récupérer. Ah ouais, j'ai pas mal d'émissaires à récupérer. On va le faire, je pense. Ça va me permettre d'avoir les deux cités en orange. Et on va passer à 2000 de prod. 2K? 2K ou moins de 2K? Plus de 2K ou moins de 2K? Comment ça se passe? Plus ou moins? C'est le juste prise. La juste prod. Plus de 2K. Plus. 14K. Non, mais non. Si le russe passe sa culturelle, ta troisième, et bah ouais, bah. Tant pis. Personne lui fait la guerre à ce russe. 62 def. Ça déconne. Hein. Le jeu, ça déconne ici. Hein. Il est en alliance avec l'autre. Il est pas en alliance. Il est en alliance avec le Zoulou. On prend le Zoulou. Le Ray Balai. Singapour m'a été reprise. Et ça, c'est bon maintenant. Du coup, je peux te faire ton petit campement. Hop, contre espion. Ah non! Non, c'est bon. Chez Death. Je chope des bats. Et bim. L'éolienne. Pas très fort, les éoliennes. Non, pas très fort. Hein. Sympa. Hein, du bat ici. Ouais, parce que j'ai pas de GDR. Donc peut-être qu'on ira à système de guidage à un moment, quoi, mais bon. Ok.
On va essayer de mettre des chemins de fer sur nos spatioports, histoire que nos bâtisseurs aient pas trop de mal à aller dans les spatioports pour faire leur délire là, leur projet spécial. Un ennemi. Ah, t'es un ennemi, moi. Alors, lui et lui, on pourrait récupérer. Prochain tour, former un sous-marin nucléaire. Non. C'est ça, hein. C'est les deux seuls que je veux. On va faire endiguement. République, on va le garder. Non, on n'en a pas encore besoin. Bientôt. Production plus 15% pour les projets de course à l'espace. Voilà. Quand on possède une école militaire ou un complexe portuaire. La culturelle, 102, 68, 62 à récupérer. Je suis pas en train de la défendre. C'est moi qui la défends. Je suis pas en train de la défendre. Je suis en démocratie. Ça ne pose pas. 1200 de tourisme. C'est pas en train de passer. Peut-être que ça va passer. On est parti GDR évidemment de l'autre côté là. Et on va voir un land qui va s'étaler orange à côté de chez nous. C'est généralement comme ça qu'on essaye de prendre des places dans un FFA. On voit tout le monde, beaucoup de militaires hein, dans les premières places pour récupérer les autres mecs qui sont IRL. Moi c'est ça dont j'ai peur. Je vais pas donner le libre passage. Il l'a oublié sûrement. Le bif. À bifs. 109-172, je me sens bien. Plus de 2000 ou pas? Allez, je fais ça et ça. Je fais ça en un tour. On a fini le spatial ici? Oui. Wouah, la musique est claquée au sol. Ouais, c'est double clax. Ah, franchement. Et on se fout là. Boue la musique. Boue la musique, non? Ou boue moi? Boue la musique. Quasiment sûr. Quasiment sûr. Ça, c'est qui? Sa chaînette ou pas? C'est bien à CAD. On va lui mettre un peu plus de prod. Et te remettre un petit bâtisseur derrière. Non, c'était trop. Ça me faisait mal au ventre. Se passe de l'autre côté, j'ai cru entendre quelque chose. On est à 1860. On nous avait menti? On nous avait dit 2000. Il nous avait dit 2000. Il l'a mis clic. Plus 4 dans chez dette actuellement. Il nous a menti. Et on pourrait augmenter up un ou deux jet fighters en vérité. Ah non, bif le bifou, bifou. Et non, t'as oublié. T'as plus le droit maintenant. Ouais, maintenant que t'as entendu, bifs.
Bonjour Katsuga, est-ce que vous savez s'il y a une modif sur Théodore? Vous pouvez me tutoyer. C'est marqué que je peux planter des forêts à forme individuelle, mais mes bâtisseurs n'ont pas l'option. Tu as des modes différents qui font doublon normalement dans ton workshop, et donc du coup tu n'as pas le mode BBG comme nous. Voilà, tout simplement, je pense que c'est ça le problème. Pas cool ça. Mais oui, mes bifs. Et au début de la partie, tu me l'aurais envoyé tour 35, c'était accepté. C'était accepté et c'était peut-être win. Et là, moi je suis là, des mots, ah, bite de chien. S'il y a deux conditions de victoire ou une guerre qui va anéantir quelqu'un. Alors, le classement, parce que c'était une question qu'on posait juste avant, c'est fait par rapport à l'écran de victoire. S'il y a un écran de victoire dans une game, eh bien on prend le classement par rapport à cet écran de victoire, et puis après on défile le classement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais généralement, les victoires sur Civilization FFA, comme sur League of Legends, bah, ça ne va pas jusqu'à aller au kill du Nexus. Non, ça c'est C15, comme on dit. Ouais, c'est finito. C'est genre au bout de... Je crois même, parce que c'est 12 minutes maintenant, on peut abandonner une partie sur League of Legends. Je crois même que c'est 6 minutes. Ouais, 5 minutes. Un expresso LOL. Ils appellent ça un turbo LOL. Et donc sur Civilization, il y a aussi ce phénomène. Et donc du coup, c'est généralement comme ça que les parties finissent. Ce coup-ci, aujourd'hui, non. Non, on va jusqu'à un écran de victoire et c'est moi qui la porte. Cette condition de victoire, cet écran de victoire. On a bien fini le spatio. Attention. Et il y a 61 toujours. Ça me fait pas peur. Et là, on va stack notre prod un peu partout. Ah là, on n'arrivera pas. On a du chop ici. Merde, on pourrait se chop la petite teinture là. Ça pourrait être pas mal. Je fais le chemin de fer. Je me mets sur la teinture. Je supprime l'aménagement. Et on va se chop ça derrière. Le petit bois, on va le mettre dans IWNW pour se finir le bordel. Et derrière, on aura... Il y a deux bats qui sortent. Ça m'a l'air de m'aller. Enfin, ça a l'air de m'aller. Ici, on va stacker encore une fois la prod. Voilà, on va faire ça comme ça. Acheter un petit bateau de plus. Et rechanger les cartes. Badaboum. On va intégrer le space. Et on va se récupérer le plus de prod possible. Top texte colonial. On va voir prochain tour. C'est prochain tour. Ou peut-être on va passer à 2K. Alors on va pouvoir chop ça. Ça fait peur hein, de dingue. Je vais en commu. C'est bon, j'arrête. J'arrête, je vais en communisme. Toujours moi qui la défend ou pas? Non, c'est plus moi! Papi! Elle est où la Munsen? Elle était là, la Munsen, putain! Mais on n'a pas. On n'a pas la tech. Elle était là normalement. On n'a pas l'ingénieur. On n'a pas eu les ingénieurs de la game. On aurait dû avoir celui-là, là, Shahjanan, mais j'ai préféré. Refusé pour récupérer celui des projets. Ah non, on n'a pas pu le prendre. Il a été récupéré juste derrière. Nickel, hein, tout ça. 300 de prod ici. On va enlever la science de Locke dans les différentes villes. Un bel arbre de tech, hein. Beaucoup de techs qui n'ont pas été faites pour arriver justement à la dernière étape de scientifique.
C'est comme ça dans Civilization, l'arbre de tech à la fin il est aléatoire, entre guillemets, aléatoire par le fait qu'on n'est pas obligé d'aller sur certaines technologies pour finir la scientifique. Voilà. On va voir en cliquant sur la dernière tech si on peut y aller aussi. Je crois, bien. Et là il y a 2, 4, 6 techs qui sont possibles, qui n'ont pas été nécessaires. 5 plutôt. Donc c'est un arbre de tech plutôt facile pour faire une scientifique. Voilà. 125 en club hein, cet après-midi. Oh la vache. Et le gaming, c'est du clubbing, en fait. C'est peur. Non, mais lutte des classes, on avait... Ah non, c'est plus moi, on avait dit. On avait dit c'était plus moi, c'était plus moi, c'était plus moi, c'était plus moi. Donc les PM, est-ce qu'on a fait le BDC? Je pense que je te fais le BDC, PM. Oh, il nous manque pas grand chose, mais il nous manque. Rien d'autre à récupérer. Alors, station Lagrange. C'est fait. Une deuxième. Lagrange ici aussi. On se finit ça. Je suis sûr que ce soit une bonne idée de se finir ça. Dommage. J'ai l'impression qu'il y a des nukes, que ça commence à arriver, tout ce bordel. Eh merde. Ça aurait été mieux un petit peu différemment. Tant pis. Petit aquarium à acheter, histoire de. Mise à jour du réacteur nucléaire. Oui, oui, allons-y. Faisons la mise à jour. Nickel ça. Alors là où il y a deux tours, je voudrais bien retrouver un bat. Un bon bat. C'est pas des très très bons bats, mais bon. Enlever les PM. On a enlevé les PM. Bite de chien. Et non, 1671. Et c'est bizarre quand même cette histoire. J'ai pas vraiment augmenté avec le kilowatt double orange, j'ai l'impression. Alors que là, je suis en train de faire des projets avec la carte. Ça a l'air d'être pas mal. Il a combien de culture l'autre? Alors il nique ou je le dique? Quand ça se passe, qui dit qui? Qui est le daron de l'autre? Qui est l'enfant de papa? Ça ne prend pas sur le projet? Yeah. Apparemment. 134 ou 185, il y a 51 touristes à faire. Moi, je l'ai dans 3-4 tours. Il peut, hein, il peut faire 50 en 3-4 tours. Une quinzaine de touristes, des GDR, des groupes de rock qui se passent. Oh putain, c'est moi qui redéfends. C'est moi qui redéfends, 184, je viens de le voir là. Mais arrête de défendre Gaston. Ah, t'es très très fort, mais je sais, mais bon. On va se faire un groupe de rock. Ça défend bien un groupe de rock.
Un petit groupe de rock. Hop, défense. Bam. Télécommunications, deux complexes de loisirs. Robotique, hein, c'est bien au niveau de la défense aussi. Il est en 4 robotique. Bam bam bam. Robotique, télécommunication robotique, c'est des boosts. En vrai. Ouais, ça, je m'en doutais. Mmh, mmh. 105 sur 200, victoire 17 tours. Le groupe de rock qui clutch. Ah là, ça c'est pas clutch. Ça ça clutch. Oh non, l'empire hongrois est mort. Merde. Ouais, j'aurais dû utiliser ma charge. Voilà, ça ne réussit pas. Là, c'est bon. Même. Bon, là, il y aura un dernier spatio, mais il ne nous fera rien du tout. Complexe de loisirs pour faire un boost. On a un chop à te donner. C'est quoi ça comme ville? Seis. On a un chop dans Seis à mettre. Production plus 30% pour les projets à l'espace de la ville. Ça, c'est le petit up du Pingalou. Et on va arrêter de faire ça au bout d'un moment. Pas mal. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à prendre? Oui. Regardez-moi ça. 28 de prod en plus sur les routes. Un peu de science en plus aussi sur les cités-états. On est en plus 6 d'activité. Allez, on passe à 1065. On n'a pas grand chose qu'on pourrait récupérer pour pas cher. À part N'Gaza. Toujours 51. 1826 de tourisme. Et nous, ça fait 2 tours qu'on est en train de faire notre projet. Pas trop nécessaire la science là. Non, t'as tout à fait raison. Mais je voulais moins de turn. La tech future. Et je me disais avec les 1065, ce serait peut-être le cas. Ah, j'ai oublié de re-switcher la tech. La technologie future qui me permet d'avoir 5% en plus de production pour les projets de la ville dans toutes vos villes à chaque réalisation pour l'espace. Toujours pour l'espace, hein. Toujours dans les étoiles, les fusées, machin. Elon Musk X Thomas Pesquet. Le Zulu diplomatie, c'est quoi ça? Alors, on a combien? La culturelle 214, encore une fois. Et là, on est à 15 années-lumière par tour avec 17 au niveau de l'expédition exoplanétaire. C'est-à-dire quoi, les gars? C'est-à-dire que c'est bon? C'est finito? On peut attendre une petite minute, 3 minutes exactement. Et que c'est GG, putain! Bien joué, hein. C'est bien pour cette game. Pour ce qu'on nous a donné pour le early game, on n'a pas eu vraiment un land qui était
facile à voir en termes de snowball. Et donc du coup, bah, on a réussi en plus de claquer une victoire scientifique sur un land qui de base ne sentait pas la science. Ça sentait pas la science et puis au final, un était bien, qui est bien placé avec les marches, avec les villes justement sur lesquelles on va se focaliser pour avoir de la science en early game, a pu nous faire snowballer assez efficacement pour pas avoir de retard sur le early game. On a posé nos campus très très tard et après avec la libre pensée, on a pu continuer d'être à peu près dans le flow de la game, exploser un peu plus tard avec le scaling et avec le setup qu'on avait mis en place. Plaisir hein. Faut jouer le GDR. Comment qu'il s'appelle lui? C'est quoi son petit nom? Animal Buffalo. Attends, je le déplace. Animal Buffalo. Ça sera les Boston Celtics, putain. Ah, le Glamrock. Ah, c'est bien. C'est bien Jason Tatum, ça. Glamrock. Ouais, Glamrock. Mais il est très très Glamrock. Il est très très Glamrock. Belle game en dépit de l'early, ouais. Heureusement qu'il n'y avait pas de chinois au final. Heureusement qu'il n'y avait pas de chinois au final. Pourquoi il n'y avait pas... Il y a eu un chinois ou il n'y a pas eu de chinois dans la gamme? Je vais load le save replay. On voit un peu comment ça se passe. 1191. Le Killua était pas trop mal placé pour récupérer quelques cités états qui nous ont fait du bien pour la fin de la game. Les cités états bleues et les cités états orange. On a un peu grill justement ces Wonders là à un moment, on a lancé Cité Interdite, Killua, Oxford, pas forcément sur la meilleure ville mais on lui avait donné du stack, Roar qui a été placé, Big Ben un peu au même moment, Corvat aussi je crois qu'il s'est fait deny. Donc et on en a eu quelques-unes parmi toutes celles-ci. On va se faire le petit bloc-notes pour la victoire parce qu'il va falloir que je reporte évidemment la game. Et on a la City, on amène notre allié à la deuxième place. On amène notre allié à la deuxième place. Straight Edge. C'est quoi, c'est Hungary. Neolaf, Zulu. Zulu au quatrième. Eh, la bif qui finit cinquième, c'est un peu plus cocasse quand même. Kubilai, Mongolia. Kung Fu, Kenny, il a joué Gandhi. Yusmip, c'est Teddy. RR, ce blason. Frédéric, je ne sais pas, mais Kibli est devant lui en tout cas. Et Frédéric, la Germanie. Je sais qu'il y en avait un autre, non? 3, 6, 9, 10, non, il n'y avait que lui. GG! GG. La cinématique arrive et on a le temps de remplir le bloc-notes parce qu'on est complètement des 5 dans les games. On est complètement planté. Ouais, le jeu bug un peu. D'accord avec ça. Merci Utopi. Merci le PFU de Lyonnais. Putain, le PFU de Lyonnais. Merde. Je joue à Civ aussi. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi aussi, je joue au FIF. Ah, j'aime bien le foot, moi aussi. Ah, putain. On est parti? Dans l'espace? Ou je me suis planté? J'ai mal lu. C'était 5 années-lumière et pas 15. Et c'était 7 et pas 17. Prochain match de CBC, pas encore prévu, étant donné qu'on a fait juste le dispo déjà de cette semaine. Merci Jean-Bob. On attend. Attention, le son en plus, ça va exploser lors de la cinématique. On connaît, on sait, on est au courant de tout ça. Ouais, ça prend du temps, ouais. Ah, ça veut dire que c'est gagné. Quand ça prend du temps, là, le jeu il est là. Attends, il faut que je charge une cinématique de 17 secondes. C'est très très chaud ce que tu me demandes. Et il a des lunettes d'aviateur en même temps. C'est un pilote. Pilote de petit avion. Tout petit biplan. Un plan, juste un plan. Ah, et ça, il y a des mecs qui sont déjà barrés. Il y a des mecs qui sont déjà barrés. Bifur et Neolaf, les deux français. Même pas le temps de moyenner, de voir la cinématique. Les gars sont déjà dans un autre FFA. Ou dans une arabe. Une seule aile. Et... forcément, pas de passagers. Comme le dit l'adage, il faut savoir marcher avant de courir. Nous avons fait un premier pas avant d'enchaîner les enjambées. Puis, nous nous sommes émancipés de la Terre. Aujourd'hui, nous naviguons parmi les planètes. Et c'est vous qui nous avez menés vers les cieux
et au To the moon. To the moon, c'est vous. Merci. Bah oui, parce que sans vous, moi je serais pas là. Et donc du coup, bah sans vous, il y aurait pas de victoire scientifique. Alors, bah t'y penses ça un peu des fois de temps en temps chez toi, quand t'es là, tu regardes pendant 3 mois LEGE et tu te dis oh c'est beau les guilds, c'est beau les victoires scientifiques. Mais si t'étais pas là, mon ami. Enfin, Imbulai par exemple, ou ce genre de personnes qui ont un petit verre de jus de fruits à côté de leur pseudonyme, et bah je ne serais pas là. Donc merci à vous les gars. Merci, c'était bien. Ouais, tout ça grâce à vous, putain. Merci, putain de hein? Patin de bonhomme? Allez, on va dire patin de bonhomme. Ça sera mieux, sûrement. On va regarder Civ Replay, on va report juste après. On va voir un petit peu la tempo qu'avaient les autres joueurs dans la partie pour avoir un peu un point de vue sur les tempos qu'on a globalement dans, entre les différents types de la game. Pour avoir moi, voilà, une petite expertise, un petit truc en plus, un petit bonbon. Et puis pour vous aussi, pour voir comment ça s'est passé pour les autres joueurs de cette partie. Neolaf, Bifur, qui sont français, qui étaient pas loin de nous. Pas si loin la culturelle en vrai. Obligé de la défendre en même temps. 221, bon j'ai pas défendu non plus de dingue. Hein. 221, qu'est-ce qui s'est passé? Ah t'as 2000 de tourisme. Eh ben ça ne passe pas. Bah non, j'ai posé deux théâtres. Eh j'ai posé deux théâtres et j'ai fait un groupe de rock. Eh je suis désolé, j'ai fait un groupe de rock. Et donc du coup, ça vous fait quoi de faire un groupe de rock? Les gens ils sont là, mais je comprends pas, ils me disent ça là. Ça fait quoi de faire un groupe de rock pour la culturelle? Eh bien en fait, c'est pas faire un groupe de rock qui est important, c'est faire un Eureka sur l'arbre dogmatique. Puisque les Eureka de dogme, c'est de la culture. Et donc du coup, pour défendre une touristique, tourista, une culturelle, il faut faire de la culture. Donc, en faisant les Eureka, vous faites de la culture. Donc faites des Eureka pour deny la culturelle. Ah oui, c'est comme l'écologisme là. Deux centrales solaires, bam bam, qu'on a posé. Eh, hey, bite de chien. Eh, hey, 221. Non, mais c'est trop. Les gens qui pensent que la culturelle, c'est easy en FFA, quand un mec, il est un peu tranquille, un peu en balplane, et qu'il fait juste un sim normal, deux scientifiques, voilà, tu te retrouves à 220 touristes à faire, bite de chien, impossible à jouer. J'ai eu trop peur du site en finale, et je vois les CS blanches trop tard. Oui, bah je comprends aussi, hein. Moi, j'ai eu peur du Zoulou, j'ai commencé à faire 6 avions en mode, attends, il a quand même préparé, parce que j'avais des espions sur des Olaf. Les petits espions du côté de Moax, là. Aïe, 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 j'ai vu ça. Moax et Nguinini. J'avais mon espion 2, là, qui était en préparation, en attente de mission au cas où qu'il y ait un petit problème. Mais j'étais là, il y a des choses qui se passent. Alors, est-ce que c'est la Steak? Est-ce que c'est moi? Après, j'étais bien défendu avec Gandu à gauche et la City à droite. C'était surtout la City où j'ai eu peur, un moment. Il y avait aussi les avions que j'avais préparés pour l'autre, mais je pense que je me serais fait arracher parce que, bah, les bonus, quoi. Bien joué encore, Bifur. Ah bah, super. Il a trop fait chum, puis qu'il m'a goûté. Et ouais, mais bon, d'un autre côté, moi aussi, j'ai eu envie d'aller sur la Steak. À coup de pillage de cavalerie légère, on connaît, évidemment. On regarde Civ Replay. On regarde le tour 30. Déjà, est-ce qu'il y avait d'autres cités tableaux dans la game? Non, deux cités tableaux, quatre rouges. On voit trois blanches, on voit deux oranges et on voit une jaune. Et après, peut-être qu'il y a des trucs que je vois pas. Du côté de la City, ça a eu un bon snowball, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti bad first, on n'est pas parti bad first, et on a eu un bad dans une hutte. Et donc forcément, avoir un bad dans une hutte avec cette cible-là, c'est quand même pas mal. Je suis un peu étonné de ne pas le voir partir sur une petite courgane pour pouvoir chop un truc. Il a préféré partir sur deux shows directement aménagés. Faut bien lui fasse, j'ai envie de dire. On a mis la petite... Attends, mais il y a deux bats. Il a dû acheter un autre bat, parce que là, il y a quatre aménagements qui ont été faits, un peu bizarre. Il est parti plateforme commerciale juste derrière. On est en 25, 31-25 du côté de DC, et c'est lui évidemment qui a la meilleure tempo. On regarde tour 30. Moi je suis à 39 de prod, c'est pas l'Egypte normale. L'Egypte normale elle est un peu plus haute quand même, 45, 50. Parce que bah, t'as un bel été monkey, t'as déjà fait 3 bats, t'as déjà fait 6 fermes, et t'as déjà 7 de pop en fait sur ta bien. Ah pour le coup, l'été il était un peu spécial. Et donc du coup on était toujours en train de faire la deuxième rondeur, pas une plateforme co qui était finie encore. C'était un peu long. On continue de regarder, on est tour 50 dans quelques instants. 143 de prod, on a bien réussi à remonter. Oh, je suis vachement content de ce qu'on a fait au final en termes de prod. Et je pense que ça. Ouais, c'est en 5-6 tours. On est à 75 à ce moment-là. Quand il y a 99 du côté de la City, on a 35 GPT et 6 tours plus tard. Il y a tout qui se met un peu en branle entre les routes, avec les alliances, avec les différents quartiers Discount qui sont en train de revenir, les dernières villes féodalité, les chops. De battre, qui sont en train de se réaliser. Et comme je vous le disais, c'est pas mal quand même d'avoir une Égypte, même si elle n'est pas sur la plaine inondable, qui a des rivières avec des chops.
Parce que vous avez 20% en plus de production sur vos quartiers et sur vos merveilles quand vous allez les choper. Ah, pareil, vous avez 20% d'efficacité en plus sur les chops. Donc c'est quand même des bons lands. C'était quand même un land agréable. Même si B1, B2, c'était pas foufou. Bah, on se pose sur une 2-1, on travaille une 2-1 teinture qui nous permet de récupérer le plantain plus rapidement, c'est sûr. Mais sans les témoins de qui, ça nécessitait justement quand même pas mal d'aménagement. Et la B2 du côté de Thèbes, on n'avait pas de food au début. On était que sur du jaune, on a dû faire pas mal de battes. Et la grande bibliothèque d'ailleurs, c'était un truc ça assez incroyable qu'on a réussi à récupérer au final dans cette game. J'y croyais pas, et au final, c'était pour nous 203 de prod, 248 du côté du Hongrois. On a 105 GPT, il est à 130, il est mieux que nous là dans la game. On va aller voir un petit peu plus tard, tour 70, tiens, 522, 591. On est devant par rapport aux autres, même en termes de gold. Le site est pas mal, et même bien avec ses 401 là, dans la partie. Et ouais, voilà. Un russe, 261, on est déjà largué en termes de prod, il y a de la foi certes, mais on n'a pas les mêmes snowballs en termes technologiques, et les voies technologiques pour pouvoir snowball sont différentes, et c'est un peu dommage, parce que justement, en FFR, on commence à se prendre bah, la bite de chien quand on joue ce genre de sieve, je trouve, assez régulièrement. C'est pas aussi facile que l'on pense. Tour 80, on augmente bien, on a 820, et on augmente à 1000, tour 89, 1000 aussi du côté du Hongrois, hein, qui a continué de EP. En termes de stats, on voit à 863, c'est le Hongrois, je pense, qui a fait la game la plus décevante au final, parce qu'il avait beaucoup d'éléments où il pouvait jouer, et il ressemble beaucoup à genre mon gameplay. C'est-à-dire en mode, bon, bah, on va pas vraiment agresser, on va jouer les heals, les stats, mais comme il était derrière dans la game, de 3 à 4 tours par rapport aux gens qui étaient plus hauts par rapport à lui, on voit il a 3 techs de retard par rapport à moi, et il n'était pas parti sur le scientifique. Au final, il termine 3ème. Donc ce qui est pas mal par rapport à la City là dans cette partie, je pense que c'est ok. Mais quand on regarde le Civ Replay, je pense qu'il aurait pu faire un petit peu mieux peut-être dans cette game. On continue d'augmenter, on est à 1400 de notre côté, c'est parce que bah voilà, et 1300 GPT en même temps. L'Hongrois n'est plus qu'à 282 gold par tour. Il y a dû avoir une petite déclaration de guerre, un petit truc qui n'a pas été renew parce que c'est un peu bizarre quand même. 704 de production du côté du Russe. Ça se joue pas non plus à grand chose, hein. Quelques groupes de rock, si la RNG est vraiment positive de son côté et que les groupes de rock font en sorte qu'ils soient level 3 plus rapidement que la moyenne, donc je vous rappelle, c'est soit 14, soit 17, voilà, en moyenne. Il faut 14 ou 17 GDR pour avoir en moyenne un GDR niveau 3, et un GDR niveau 3, donc un groupe de rock niveau 3, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ça commence à te balancer du 5000 de tourisme par concert. Si t'as la promotion des golds, c'est tout autant, quasiment, de goldo qui va être généré. Non, c'est vraiment insane. Donc, c'est ce qu'on essaie de chercher quand on fait des victoires culturelles. Voilà, tu fais une quinzaine de GDR, il faut avoir une quinzaine de GDR pour te dire que tu vas être à peu près stable pour avoir au moins un GDR niveau 3. C'est des mathématiques qui ont été faites par des Américains sur Reddit, que ce que je vous dis, je ne l'ai pas fait moi, personnellement, mais je les crois. Voilà, je les crois, les ingénieurs de Reddit.